Hey, salut les amis, c'est Kikoff et aujourd'hui on va parler du film La main sur le berceau. Donc résumé, c'est une meuf enceinte qui perd son mari et son bébé et rend coupable un couple qui attend un bébé. Elle va donc, pour se venger, se faire adopter en tant que nurse quand l'autre nana va accoucher pour essayer de prendre du coup la place de la mère. Le doublage est très raté. Voilà. On commence par les défauts, il y en a pas mal. Le doublage est raté, les voix sont horribles, elles sont niaises, elles sont faiblardes. Ouais, c'est ça, faiblardes. La musique fait plus mal aux oreilles qu'elle est angoissante. J'ai adoré quand même l'histoire, le concept, car pour moi c'est assez rare, voire inédit. C'est un film quand même très psychologique qui aborde des sujets d'attouchement sexuel, du traitement des gens handicapés, de manipulation aussi. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est voulu, mais il y a un beau message sur les gens avec un handicap qui m'a touché. Mais je ne sais pas si c'était voulu, je pense que oui. Et du coup, la nana, c'est... psychopathe, c'est une tarée de ouf. C'est vraiment une tarée. Et en vrai, tu te dis que les psychopathes, en fait, sont grave intelligents. Sauf qu'ils ne se rendent pas compte, entre guillemets, le bien du mal. Mais quand tu vois ce qu'ils font, tu te dis, mais ils sont grave intelligents, quoi. Plus j'avançais dans le film, plus je l'ai apprécié pour cette partie psychologique. Voilà, parce que moi, j'aime bien me torturer l'esprit. Mais il faut faire abstraction de tous ses défauts, et donc ça, c'est... Voilà. C'est dommage, parce que ce film aurait pu être magnifique au vu de l'histoire du scénario, mais très mal mis en scène, très mal interprété, très mal tourné, il y a trop de défauts. Voilà, je... J'hésite entre le 2 et 3 sur ma note. J'avais mis 3 avant la vidéo, mais là, en vous expliquant, en revoyant le film dans ma toutée, j'irai plus vers le 2. Voilà, un petit 2. Je pense que je vais mettre un 2. Un 2, 3. Un 2 et demi. Donc, dites-moi vous en commentaire ce que vous avez pensé de ce film. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, ceci n'est que mon avis.